Saint-Esprit, nous à toi. Mama,
n'a pas donné votre petit poté. Dis à toi merci, 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 merci. Esprit du Seigneur, je l'aime.
Jésus. Souffle sur moi, l'Esprit de Dieu. Souffle sur moi, l'Esprit du Seigneur. Je lève mes mains en abandon. En ton nom, tu te plairas. Je me soumets à ton esprit. Et je me Jésus, tu es l'objet sublime. Jésus, tu es l'objet. Jésus, tu es l'objet de mon amour. Le sang de Jésus. Soit célébré. Shalom, 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 shalom.
présence, Seigneur, que j'aime bien. C'est ta présence, Seigneur, que j'aime bien. Quand je m'approche de toi, tu t'approches. Présence, Seigneur, c'est ta présence, Seigneur, que je veux. Quand je m'approche de toi, tu t'approches de moi. C'est ta présence, Seigneur, que je veux. Merci Seigneur. Rien n'est égal de présence, de présence, de présence. M'environner de ta grâce. M'environner de ta grâce. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Alléluia, voilà Jésus, il boit tous nos vainqueurs. Alléluia, alléluia, voilà Jésus, il boit tous nos vainqueurs. Encore, alléluia. 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 Gloire à Jésus, l'immense compagnie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, l'immense compagnie. Son amour, vous avez l'infini. Sa bonté, il reste pour tout le temps. Son amour, vous avez l'infini. Sa bonté. Alléluia, alléluia, voilà Jésus, il croit tout mon pardon. Sous ta cabine, alléluia, alléluia, voilà Jésus, il croit tout mon pardon. Avec son amour, jamais il finit, et que sa bonté, il escoute tout le temps, pas pour toute ma famille. Jamais il finit, et que sa bonté, il escoute tout le temps.
sa bonté, sa bonté, sa bonté, lui reste pour tout le temps. Sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, son amour, sa tendresse, sa compassion, sa bonté, lui reste pour tout le temps. Sa bonté, sa bonté, sa bonté, sa bonté, sa compassion reste pour tout le temps. Sa miséricorde, la mon ami, sa l'amour jamais fini. Sa la 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 la. Sa na ma na ya ma ya la ma, ro ma 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 ni ma ma, so no m lo ma ya la ma ma we. Sa na ma na ma ma ju ma ma, ro no go lo ski di ba wa, ya la ya ki di ya ma ma we. Comme on nous élit, bonne si mes autres, veillez, nous élit,
bonté. Merci pour ton bonté. Merci pour ton compassion. Merci pour bénédiction. Merci pour ton protection. Merci pour une promotion. Merci pour une provision. Merci pour révélation. Merci pour ton grand onction. Merci. Merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Tous ensemble. Merci, merci, Jésus. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, merci, Jésus. Merci, 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 merci, Seigneur. Merci, 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 tout le temps, merci, 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 tout le temps, merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Merci pour ce qui te fait d'amour la vie. Merci, merci, merci. Merci pour ce qui te fait d'amour la vie. Merci, 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 merci. De même le Seigneur des Seigneurs. Dans ton nom tout mal malade guéri. Dans ton nom ma captive délivrée. Dans ton nom mon ressuscité. Dans ton nom tout mal malade guéri. Dans ton nom ma captive délivrée. Dans ton nom mon ressuscité. Dans ton nom, mal captif délivré. Dans ton nom, ressuscité. Dans ton nom, je vis Jésus. Dans ton nom, tout mal malade guéri. Dans ton nom, mal captif délivré. Dans ton nom, ressuscité. Personne plus grand que toi, le nom de Jésus, le nom de Jésus, là où tu vas nous, le roi des rois, et n'a personne plus grand que toi, Jésus, Jésus. Tout mal démon en va nous livrer. Avec toi, Jésus, nous régner.
croix nous pointe nos péchés. Tout bas démon va nous libérer. Avec toi Jésus nous régler. La croix nous pointe nos péchés. Tout bas démon va nous libérer. Avec toi Jésus nous régler. La croix nous pointe nos péchés. Avec toi Jésus nous régner. On la croit, on la croit, on la croit. On la croit, nous porte du péché. Tout ma démon en bas nous libère. Avec toi Jésus nous régner. Jésus, 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 Jésus. La gloire pour Dieu, tu sais, Jésus. Jésus, Jésus. La gloire pour Jésus. L'adorable, merveilleux. Jésus, la gloire pour Jésus. Jésus, 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 la gloire pour Jésus. Jésus, la gloire pour Jésus. Jésus, la gloire pour Jésus. Jésus, 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 la gloire pour Jésus. Jésus, Jésus, la gloire pour Jésus. Santé, parce qu'il est vrai. C'est la parole. La parole qui jamais sans est. De miséricorde, jamais vie est brisée. Notre amour fait mon triomphe. De la grâce. De la grâce dans mon avis, jamais fini. Pour que ma vie s'appelle. Tout le monde n'est pas perdu sur la croix. De miséricorde, la dame est brisée. Nous aimons l'amour, fais-moi triompher. Ton regard est un océan d'amour infini. Le sourire brille plus fort qu'il se lève. Parole de la lèvre, pensée de Christ. De miséricorde, sa vie est brisée. Et de l'amour, fais-moi triompher. De la grâce. De la grâce dans mon avis, ça m'est fini. De la grâce. Je montais pas perdu sur la faute. La la la.
chanson de mon Dieu. Dans la présence de mon Dieu, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence, dans la présence de mon Dieu, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence de Jésus, dans la présence de Jésus, la guérison, la guérison. Dans la présence, dans la présence de Jésus, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence, dans la présence de Jésus, il y a de l'esprit, dans la présence de l'esprit, il y a la guérison, il y a la guérison. Dans la présence de l'esprit, dans la présence de l'esprit, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Dans la présence, dans la présence de l'esprit, il y a la vie, le bonheur et la grâce. Ta présence me guérit, Jésus, oh Jésus. Ta présence me guérit, Jésus, 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 m'enrichit ta présence, m'enrichit. Ta présence m'enrichit, ta présence me réjouit, ta présence me réjouit, ta présence me fortifie, ta présence me fortifie. Voilà, frères et sœurs, bonjour à tous. Mon croix, je t'ai passé une très bonne semaine. Alléluia. Nous vous confessons la parole de Dieu ce matin donc, avant qu'il nous commence le l'enseignement. Seigneur notre Dieu, nous venons l'équerre pour nous recevoir la parole de la grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu, qui a la puissance pour guérir mon corps et mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, Dauphine, donne-moi un léquet pour comprendre, lisez votre clair, les oreilles pour tendez, moi j'ai l'intelligence, la sagesse et le discernement,
en mode de la grâce, dans l'abondance, dans la bonne santé et sous ta grande protection. Ne peut faire progrès. Après progrès, ne peut mordre de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ne peut grandir, ne peut multiplier, ne peut venir très nombreux, très puissants dans ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de tout la vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Amen. Nous vous continuons ce matin, nous l'enseignement, Laura, la foi. Alléluia. Pourquoi nous l'avons 8e ou bien 10e, donc, eh bien, leçon ce matin. Gloire à Dieu. Et ce matin, donc, je vais vous quelque chose avec vous autres qui me demande beaucoup d'attention, parce qu'il m'a vous dire beaucoup de choses en peu de temps. Maintenant, quand on dit tchigit les temps, ça ne veut pas dire moi n'a tchigit les temps, c'est vous qui n'a tchigit les temps. Vous voyez, je pense métro, je pense supermarket, je pense peut-être les autres qui que sont. Et moi, je comprends, vous voyez. Moi, pour recommander, c'est simplement une recommandation, il n'y a pas une exigence, moi, pas obligé de faire les, qui prend CD là ou bien DVD là après, et je réétudie ce que je vous tendais ce matin. Vous voyez donc, eh bien, quand on enseigne autre quelque chose, il n'y a pas une théorie, il n'y a pas une affaire morale, il n'y a pas, non, des trois phrases, il n'y a pas une prépare un sermon. Ce n'est pas ça, il y a beaucoup plus que ça. Vous voyez, je dire autre, je enseigne autre ce qui m'ont vivre, ce qui m'ont découvert et ce qui me porte un fruit dans ma vie. Amen, 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 amen. Vous voyez, donc, je cause avec conviction, je cause avec assurance, je cause par révélation. Nous pouvons concentrer beaucoup ce matin, Laura, nous papa Abraham. Tout le monde dit gloire à Dieu. Alors, on vous demande de ouvrir la Bible dans Romains chapitre 4 et le verset 12, s'il vous plaît. Nous voulons plutôt à partir du verset 11 et puis 12. Merci Jésus. Une bienvenue spéciale à tous qui l'ont pour la toute première fois. Amen, amen, amen. On ne peut pas oublier ça. Gloire à Dieu. Je viens de trouver donc Romains chapitre 4 verset 11, et il, quand il a l'épécose Abraham. De quoi réponds-moi? Il reçut le signe de la circoncision comme ceux de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était inconverti, afin d'être le père de tous les incirconcis. Donc, eh bien, c'est-à-dire que la Bible dit non, Abraham, c'est nous, papa. C'est ce qu'il peut dire là. Amen, amen. Nous sommes païens auparavant. Qui croit? Pour que la justice leur fût aussi imputée. Le mot imputé veut dire mettre l'eau nous compte. On va vous causer l'orlène l'autre moment. Le verset 12, c'est le verset 12 qui, pour plus intéresser nous, est le père des circoncis. Donc, il dit nous comme ça, donc il y a Abraham, les papas ben juifs, et les nous papas aussi, quand on croit dans Jésus. Qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore, regardez bien qu'il nous dit là, qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Là, moi, les autres bien écouté, parce que donc, si j'ai une vie si sincère, une réunion, et puis je ne pas écoute bien, je ne peux perdre donc eh bien, l'essentiel, je ne peux perdre grand quelque chose, vous voyez. Amen. Est-ce que vous avez compris, moi, là? Dire avec moi, mes oreilles ouvertes, mon équerre ouvert, mon équerre vous comprend. Dès que la Bible nous dit, il y a ceux qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Dire avec moi, marcher. Sur les traces de la foi d'Abraham. Ok, nous pouvons lire le fait qu'il est nos papas dans un moment, mais ce qui plus intéresse nous ce matin, c'est que la Bible dit non, gloire à Dieu. Abraham, il laisse une trace de la foi. N'est-ce pas vrai? Et quand nous suivons ce trace, nous ne pouvons pas connaître que l'Itchalé. Et quand nous suivons ce trace, nous ici, nous pouvons arriver le même but, gain, même bénédiction, même grâce qui est ici, il gagne. D'accord avec moi? Aujourd'hui, je supposais donc qu'il y a les autres moyens pour suivre la Saint Dimon. Mais longtemps, donc, je suis l'eau. Il y a des gens experts là. N'est-ce pas vrai? Si un Dimon est perdu ou bien je peux rouler un volet à quelque chose, je suis un expert qui connaît suivre une trace. Et tôt ou tard, je peux gagner ça qui connaît, donc qui suivre cette trace-là. Donc, c'est le temps, vous et moi, je suivre les traces de la foi. Dire avec moi, traces de la foi. Maintenant, je connais Abraham, il fait bien les rires. Je ne peux pas critiquer. Mais la Bible ne dit pas moi, je suis sur une trace les rires.
justement, trace la foi. Il ne faut pas suivre Abraham dans tout détail, dans tout domaine. Non. Il n'a pas de place côté là, que le patch encore est affermi. Nous besoin qu'on comprend ça. Vous voyez? Et incroyable comme tout, jamais bon Dieu ne condamne les, il ne blâme les, même quand il fait un erreur. Vous l'aimez là, mes frères et mes sœurs? Amen, amen. Parce que Dieu, tu peux faire les grâces. Pareil comme il fait nos grâces. Dieu jamais ne condamne les, jamais ne lapide les, jamais ne reproche les, quand il fait un erreur. Amen, amen, amen. Ok, gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire, mon maître dans la tête, me dit, laisse-moi faire des trois erreurs avec intention. Dieu pas pour condamner moi, il n'est pas pour blâmer moi. Non, 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 non. Laisse-nous suivre les traces de la foi d'Abraham. Dis avec moi, traces de la foi. Amen, amen. Un trace, comme a dit Dieu, les traces de la foi, donc, et bien d'Abraham. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Vous pouvez comprendre, pasteur Cyril? Alléluia. Maintenant, il est impossible pour nous comprendre tout ce qui nous vient comprendre lors de la foi si nous pas étudier en profondeur la vie d'Abraham. Parce qu'il n'est même pas par la foi. Comment est-ce capable? Comment est-ce qu'il est capable de comprendre la foi si je pas étudier sa quelqu'un qui la Bible appelle papa la foi là? Sur le premier dimanche, maintenant je connais qui Noé qui agit par la foi. Je connais qui Abel qui agit par la foi. Mais Abraham, donc, eh bien, gloire à Dieu, il vit dans la foi d'une façon parfaite, je peux dire. Je vous montre juste ça tout à l'heure. Vous voyez? Merci Seigneur. Hein. Donc, il y a l'exemple qui m'a qu'à prendre dans Noé, qui est sûr. Il y a l'exemple qui m'a qu'à prendre avec Abel. Mais plus grand l'exemple de la foi qui m'a besoin de suivre, c'est en suivant, donc, alléluia, quelle façon Abraham tu marches par la foi. Donc, les points possibles qui me comprennent la foi, qui me vivent par la foi, si je n'ai pas étudié autant qu'il besoin donc la vie d'Abraham, comment lui tu marches par la foi. Sur la vie, donc, eh bien, il y a beaucoup pour montrer moi, beaucoup pour enseigner moi concernant la vie de la foi. Comme on m'a fait expliquer tout à l'heure là, donc, la Bible dit non, les mêmes papas la foi. Le mot papa veut dire l'origine. Si par exemple, ou dis-moi, guide-moi au papa là-bas, ou provenir de ce quelqu'un-là. Est-ce que je vais comprendre moi là? Donc c'est Abraham qui, alléluia, comme la Bible dit nous, qui manifestait la foi autant qu'il besoin. L'étonnant, donc, l'étant nous lire la vie d'Abraham, et l'étant aussi l'apôtre Paul, lui montrer nous, alléluia, comment est-ce qu'Abraham, lui, garde sur la foi, même dans un moment très, très, très difficile. Et amen, tu vous fais moi plaisir. Alléluia, merci Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui n'arrive 99 ans, vous voyez, et la Bible même dit nous, c'est l'écho mort, affaibli, il sait, il comprend ça. Ce femme qui n'a 90 ans, vous voyez, et depuis sa jeunesse, vous voyez, Sarah lui est stérile. Maintenant, à l'âge de 90 ans, 89 ans, vous voyez, tu n'as un Sarah a une double impossibilité et en Abraham une impossibilité, vous voyez, pour être capable de vivre papa's enfant. Mais qui s'en a fait faire maman, fait faire pardon, Sarah vit maman, la foi. Qui chose vient faire Abraham vivre papa's enfant? C'est la foi. Excusez-vous, d'accord avec moi, il y a un grand, grand, grand exemple de foi. Faut pas trop tant de amen, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Je connais donc mon désir des autres, ça, mais ça, il est chez tout de moi. Quand je te lis donc, alléluia, gloire à Dieu, qu'il est en Dieu qui visite Abraham dans Genèse 18, avec des 11. Il est en Abraham, donc, qui a envie offert un manger, vous voyez, au Seigneur et à cette des 11-là, vous voyez. La Bible dit nous donc, les galoper, puis il y a le quelque chose pour les cuire. Dire avec moi galoupé. Il est extraordinaire ça. Voilà. Jamais la Bible met un détail simplement parce que nous ne mettons ça comme ça, entre parenthèses. Non, 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 non. Chaque détail, de sorte que Jésus-Christ, il n'est pas loin de vous dire, mais même I, vous voyez, même, pardon, un point, un I, il y en a sur grand valeur dans la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Qui est-ce que vous pensez maintenant qui ken? Maintenant, vous dire qui Isaac est fini, né? Il y a environ donc, eh bien, 13 ans, Isaac. À l'âge de 113 ans maintenant, quand Dieu cause avec
Alléluia, gloire à Dieu. Cause avec Abraham pour offrir Isaac en sacrifice. Mais Abraham, tu faisais monter une montagne. À l'âge de 113 ans. Maintenant, mon gros de team déjà regarde à la télévision quand quelqu'un fait 60 ans, ministre Vini, par ici, par là-bas, de ni cadeau, de ni potable, filmé, etc., etc. Mais ça va du monde 100 ans là. Vous êtes vraiment une prend pension. C'est vrai, c'est pas vrai. Abraham peut créer un pontin, il est. Je peux dire où ça, afin qu'il a ou pas dit, je peux venir vivre, c'est là, je ne peux pas travailler pour bon Dieu, je peux venir vivre maintenant, je peux payer 10 goûts, je n'ai plus capable. Quand, longtemps, quand je mange masala, je n'ai pas un goût masala, attendez, il n'y a pas un goût masala. Il y a un autre goût, un autre marsa. Vous voyez donc, eh bien, non, nous pas supposer donc, eh bien, quand nous, longtemps, quand moi, tu sentis donc, eh bien, moi, tu sentis bien l'odeur. Non, vous supposez God ou l'odorat. Quand vous mangez ou jouir, c'est que vous mangez. Ou la vue n'a pas abaissé. Ou la force n'a pas diminué. Vous pas trop de temps, vous êtes là. Amen. Vous faites tout travail que vous êtes capable de faire, malgré l'âge rentré. Parce que non, vous voyez, ça c'est le monde qui donne une conception tant que l'âge monte, tant que tu affaiblis. Vous voyez, non, la Bible pas dire moi ça. Non. Moi, pour montrer, je te sais plus tard, vous voyez. C'est encore nous, bilan, tu connais, dans 5 ans, 10 ans, vous viens prendre vos pensions. Maintenant, ou prend retraite parce que vous travaillez demain, nous faire ça. Mais il ne faudrait pas vous dire, mon papa qui a morcé, mon papa qui a pioché, mon papa qui a labouré, mon papa qui a travaillé, mon papa qui a crépi, mon papa qui a battu béton, mon papa qui a coupé ferraille, mon papa qui a. Non. Mais là, mon bon envie ressuscite Caleb. Il lui donne une vraie leçon, là. Caleb dit, quand tu as 40 ans, oui, tu causes avec moi. À cela, moi, j'ai 85 ans, 45 ans après, moi, j'ai autant la force pour le travail et autant la force pour la guerre. Qui te veut raconter, toi? Vous voyez? Si nous laissons, vous voyez, être un. Oh, comment on appelle ça? Brainwash. Lavage de cerveau par le monde, vous voyez? Alors, vous êtes pour vivre comme le monde. Vous voyez, c'est un désarrivement, on va pas entendre détail. Là, vous voyez, du monde, il y a où tous les 7 ans où l'écho, les plis affaiblis. La Bible, pas dire moi ça. La Bible, Dieu renouvelle moi la force. Tout le monde dit gloire à Dieu. Encore un coup. Alléluia, merci Jésus. Amen. Continue, causer pasteur. Amen. Maintenant, qui vous dit, alors, qui, justement, les temps, Dieu demande à Abraham. Offert au garçon. Ça, c'est un autre affaire. Ça. Nous avons un caractère à Abraham aussi. Il est quelqu'un très, très obéissant. Rempli d'amour, frère. Rempli d'amour. Son éveil, il n'a habité un endroit qui n'est pas bien habité. Dans la ville de Sodome et Gomorre. Il est en train d'apprendre qu'il son éveil finit captif. Vous voyez, lui prend son armée pour y libérer son éveil avec tous les autres encore. Le temps là, mes frères et mes soeurs? Amen. Véritable équerre. Le temps lui peut en prendre, le temps Dieu dit comme ça, pour détruire Sodome et Gomorre. Il intercède pour ça la ville là. Montrer son amour. Ça, c'est une autre question. Le temps lui dit avec son éveil comme ça, tu connais? Eh bien, nous bandes ouvriers pour la guerre, nous bandes ouvriers contre nos ouvriers, il ne faut pas y aller ainsi. L'Itika dit, moi, mon tonton, moi, je choisis la place, plus bonne place, et puis toi, tu es pour aller. Il dit, non, il dit avec l'autre, tu choisis que tu as envie d'aller. Là, mes frères, mes soeurs, sinon, on vient appeler nous enfants d'Abraham, nous bisons imiter aussi, non seulement sur la foi, mais sur la façon que l'Itika dit vis-à-vis du monde. Maintenant, je vous dis ça en dernier lieu, vous voyez donc, il ne faudrait pas oser appeler enfant d'Abraham si vous ne pardonnez la dîme, parce qu'il est donné sur la dîme. Amen. N'importe qui s'en a dit, n'importe quoi que ce soit, suive la parole de Dieu, mon frère, mon soeur. On va attendre de te répondre trop fort, là. Je te la même là. Tout le monde dit gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Oui donc. Les temps lui a offert Abraham en sacrifice. Isaac en sacrifice. Dieu dit celui que tu aimes, Saint-Moi les te donne. Vous voyez, il y a. Comment on peut dire?
Si vous envie le tout de Dieu, vous allez donner le tout de vous-même à Dieu. Vous voyez? Bon, ça c'est un autre sermon en lui-même. Hein? La Bible dit nous donc, l'étine finit à tâche Isaac pour l'égose Isaac. Mais pourtant, l'étine connaît que Dieu nous délit, c'est à travers Isaac qu'il y a une nation pour naître. Ce qui veut dire qu'il y croit, qu'il bon Dieu pour ressusciter Isaac. Maintenant, c'est pas quelque chose qui monte, c'est pas ma conclusion, c'est ce que la Bible dit ça. La Bible dit comme ça, donc, les croire, les penser que Dieu est puissant, Hébreux 11, 19, même pour ressusciter les morts. On peut appeler ça où? Maintenant, pour nous aujourd'hui, les cas paraissent normal. Dieu ressuscite les morts, Jésus-Christ ressuscite les morts, nous avons un miracle résurrection des morts un peu partout dans le monde. Mon les a trouvé au moins, donc, eh bien, Digimon, vous voyez, mon pas qu'à donner de près, vous voyez, peine mort pendant longtemps, retourne à la vie, vous voyez, mais Abraham, jamais il trouve quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Jamais il trouve quelqu'un, donc, eh bien, 100 ans, vous voyez, donc, eh bien, vient papa, mais vous t'en dites, tu crois? Amen. Est-ce que vous êtes là, mes frères, mes soeurs? Excusez-vous d'accord, c'est un homme de foi. Suive Abraham. On dit, marche lorsque se trace la foi. Et ce qui me content aussi, c'est que la Bible dit moi comme ça, donc, voyez, les temps l'utilisant la guerre contre 5 les rois. Cela en est composé de 318 serviteurs seulement. Parce que c'est la force, les parties dépendent de la grandeur de l'armée, mais le bon Dieu qui est avec nous. Bon Dieu, tu es infini d'y aller, donc, eh bien, donc, personne ne peut faire toi du tort. Ah, vous connaissez moi tout seul, patatan, les autres, beaucoup. Je suis capable d'avoir un million avec eux, quand tu as bon Dieu avec toi, tu as un million avec toi. Maintenant, il ne faut pas se dire, juste ça même, parce qu'il paraît joli, vous tendez, il faut des autres croire là-dedans. Tout le monde dit, moi, crois, pasteur. Est-ce que je te l'aime là, mes frères, mes soeurs? Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. Continue, causer pasteur. Alléluia, merci Seigneur. Et puis, ce qui me content donc, Abraham, c'est un super exemple pour nous concernant la santé. Nous pourrons guetter ça, Taléa. Nous pourrons guetter ça. Et puis, il y a un super exemple pour nous concernant la prospérité. Moi, pour dire cet homme, il est très riche. Il finit béni en toutes choses. N'est-ce pas vrai? Amen. Nous commençons à lire la vie d'Abraham dans Genèse, le chapitre 12. Au commencement, chapitre 13 même, donc, eh bien, la Bible dit nous, il était très riche, dire avec moi, très riche. Encore un coup. En argent, en or et en troupeau. N'est-ce pas vrai? On dit, n'est-ce pas vrai? Gloire à Dieu. On peut me préparer, vous dire ça donc, mais même s'il y en a un, s'il y en a deux, tout businessman met deux debout. Businessman, business woman. Ou d'un business, on met tout debout. Kena, en kena. Vine par devant. Pasteur Gopol avec moi, nous pouvons poser toutes les mains. Vini. Merci Jésus. Amen. Qui vous nourrit tant, vous nourrit, vous ne connaissez quoi, etc. Au ciel, tu veux. Costez par devant. Maintenant, il n'est pas dépend que quand tu es le temps, nous poser toutes les mains. Gloire à Dieu. Le Tikan existe, confesse. Bénédiction, leurs autres. Pendant ce temps, les autres, ils n'ont pas de portable. Il n'y a pas les personnes distraites là. Vous voyez, vous gardez les yeux ouverts et vous parlez en langue. Pas de distraction, mes frères et mes sœurs. Ce qui nous peut faire la liste sacrée. Alléluia. Dire avec moi, me recevoir l'onction de la richesse. Dieu finit avec Abraham, Thomas descendant, pour être riche. Moi, un enfant d'Abraham. Pauvreté, il n'a pas pour moi. Ni manquement, ni dette. Mon héritage. C'est la richesse, c'est l'abondance, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, donne-moi un peu d'eau, mes enfants, donne-moi un peu d'eau, que Dieu t'aide. La chacabrada. Non, pas ça, pas de l'eau bois, là, on pourrait dire de l'eau. De peine à mener aujourd'hui. Hein? Gloire à Dieu, mais je parle en langue, mon papa est en train de parler en langue. La zarabogo pro de gede.
Maintenant, quand mon leader était, vous êtes, mon leader, vous êtes là même là, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Vous pouvez poser les mains aussitôt, donc il nous finit, faire l'onction d'eau, vous êtes, gloire à Dieu, merci Jésus, alléluia, merci Seigneur, nous louons toi, oh Dieu, nous bénis toi. Comment nous imposons les mains, vous retournez dans le plat, l'onction de la richesse, 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 Camprada, l'onction de la richesse, la cabra, l'onction de la richesse, l'ishekeprede, l'onction de la richesse. Tenez bien, vous autres. L'onction de la richesse, 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 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'onction de la richesse, l'onction de la richesse, la merci Jésus, l'onction de la richesse, merci Jésus, tout le monde dit gloire à Dieu. Tout le monde dit gloire à Dieu. Alléluia. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. La sakabrada gada kadabada da shikididid. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. J'ai souvent dans moi dit que mon caractère préféré, mon personnage préféré dans l'Ancien Testament, c'est Élie et Élisée. Ça, c'était au point de vue ministériel. Vous voyez? C'est-à-dire, l'onction qui se t'y manifestait dans votre ministère, vous voyez, mon préféré, Zot, ou bien à, au lieu de Moïse, ça c'est pour moi. Mais concernant la vie personnelle, exemple de santé, de victoire, de richesse, merci Seigneur, là, il y a une autre affaire, c'est Abraham. Dis avec moi Abraham, encore un coup. Au fait, me prend plus beaucoup le temps. Confesse bénédiction Abraham dans mon avis, qui me prend le temps, confesse et bien donc les bénédictions d'Élie et Élisée dans mon avis. Tous les jours. Mon content qui Élisée, la Bible, du moins Élie plutôt, était un homme de la même nature que moi. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Et si ou bien guetter maintenant, nous plus fort, nous plus grands qui Élie. On va attendre trop beaucoup, amen, parce que vous voyez. Et me content, la chose qui me contente dans Élisée, c'est que la Bible dit moi comme ça, donc, il est entouré avec banonce. Il n'est pas typère. C'est ce qui me confessait tous les grands matins. Vous voyez, mais me prend 10 à 20 fois, plus beaucoup le temps, confesse bénédiction à Abraham dans mon vie. Vous voyez. Maintenant, mon papa peut dire, vous faites pareil comme moi. Vous voyez, où j'ai fait lui, donc, eh bien, d'après ce qui, comment on dit ça, donc, aux révélations de nous. Merci Seigneur, mais au confesse-lui donc, dire avec moi, bénédiction d'Abraham. Appartenir à moi. Alléluia. En fait, mon compose ou bien Dieu finit de moi des cantiques pour Abraham. Et là-dedans, me chantait presque tous les dimanches grand matin, donc, eh bien, à Beaubassin. Je suis un enfant d'Abraham. Quoi qu'il y parle, cause beaucoup l'eau Abraham, l'eau là donc. Mais pasteur, qui fait vous sente même santé? Moi, pas prendre ça, ben, dis-moi, là, compte-moi. Mais qui ne va pas prêcher l'eau là? C'est le berger qui nous vient nourrir donc et bien la brebis. Ce n'est pas la brebis qui dit à moi l'autre l'air, mange ce qu'il me donne toi. Parce qu'il m'en goûte avant, m'en trouve bon avant. Amen. Et vous voyez l'autre et bien donc et bien qui, Dieu Tout-Puissant, appela Abraham et lui fit la promesse qu'il sera béni. Et même toutes les nations et toute sa génération. Alors Abraham eut confiance en lui. Et cela fut compté comme justice. Amen, amen. Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts. Parce qu'il est le Dieu d'Abraham. Amen, amen. Oh mon Dieu. Depuis longtemps, moi j'ai 50 ans, frère. Plus que 35 ans, papa. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Continue causer, pasteur. Santé, pasteur. Non, il va vous sentir aujourd'hui là. Amen, amen. Gloire à Dieu, merci Jésus. Maintenant, je me rappelle, c'était en 73, je ne suis pas encore même rentré dans le ministère. Mais je suis déjà donc, en tout temps, donc, je suis content d'étudier, lire. Et un frère
tu travailles dans l'hôtel. Il amène donc un jeune touriste américain qui donne un magazine chrétien. Lorsque ce magazine-là donc finit à l'adresse d'un homme de Dieu qui est mort maintenant, qui s'appelle Kenneth Hagin. Vous voyez? Et tu as deux ou trois livres qui m'ont commandé, parce que tu as la liste des trois livres que le frère tu peux vendre. Racheter de la malédiction de la loi, la foi, etc., etc. Mon commande donc ces trois livres-là, et un livre, à l'époque-là, c'était 4 roupies. Un dollar, c'était 4 roupies. À l'époque-là, on finit pour tout le temps. L'époque où tu as un petit pain, tu sais dessous. Avec 25 sous, tu rentres dans un restaurant, tu tapes une mine bouillie. Tu peux comprendre, moi, là. Ça, l'époque, là, il finit pour tout le temps, mon camarade. Un Pepsi Cola, 18 sous. Bon. Si mon compte, une cause manger, là, beaucoup moins de gain fin, là. Mais les temps, le frère Kenneth Hagin, envoyez-moi ça trois livres, là. Il envoyez-moi une lettre en même temps. Et moi, comme ça, donc, you have been redeemed from the curse of the law. You are a child of Abraham. Mais on peut comprendre. Vraiment, on peut comprendre. Au plus qu'au 73, là. Mon prend baptême en 70. Ça, l'enseignement-là, ça m'a entendu, ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que sa parole qui tire sa lettre, là, me connaît une rente dans mon équerre. C'est à moi maintenant qui vient le découvrir que veut dire être béni avec Abraham. Je disais que, merci Seigneur, alléluia, amen. Et l'étant le frein fin écrire moi donc eh bien mon ça fin rentre dans mon cœur profondément ça verset là Abraham voyez mon commence étudier l'imprimant quelques longs mois pour commencer à découvrir cette vérité mais me rendre grâce à Dieu alléluia qui étant éclairé me considéré que si l'Église peut prospérer, si nous trouvons un miracle, c'est la vie, témoignage d'Abraham, il contribuait beaucoup dans mon ministère et dans mon vie personnelle. Tout le monde dit gloire à Dieu. Et quand je suis à sa lettre là, je veux dire, je ne peux pas encore être guéri dans mon âme. Quand on n'a pas guéri, ou pas comprendre certaines vérités, ou capable même de résister à certaines vérités. Ou capable de révolter contre certaines vérités. Hein? Vous voyez? Non, ça c'est vrai, ça. Quand mon âme finit d'être guérie, frère Zose, la parole de Dieu lui vient beaucoup plus claire dans mon lycée. Amen. Beaucoup plus claire. Vous voyez? Merci, Seigneur. Laisse-moi donc, eh bien, donner maintenant des trois faits, si je suis capable de dire l'or à Abraham. Tout le monde dit gloire à Dieu. Encore un coup. Comment nous fait dire maintenant, donc, Abraham, c'est papa la foi. Amen. La vraie vie de la foi, elle commençait à partir d'Abraham. Celui qui met sur la foi en action parfaitement et qui n'accomplit quelque chose. Et Dieu est capable de servir ça la foi là pour faire ce qu'il encore peut faire aujourd'hui. C'est à cause d'Abraham. D'ailleurs, gloire à Dieu, merci Seigneur, quand Dieu appelle lui-même le Dieu. Maintenant, moi connais qui Dieu, c'est le Dieu de Moïse, c'est le Dieu d'Abel, c'est le Dieu de Noé. Mais il dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qui fait l'idée ça? Eh bien, comment nous fait trouver, vous voyez, merci Seigneur, alléluia. C'est parce que c'est Abraham, donc, eh bien, qui commence à vivre par la foi. Et c'est la foi tellement vivante qu'il bondit, il y a nous comme ça, mais il imite ça Abraham là maintenant. Excusez-moi là, mes frères, mes sœurs. Amen. Ok, que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Que ça n'a connu si pas tu es Abraham, pas tu es Israël, pas tu es. Parce que c'est grâce à Abraham qu'Isaac fut né, et Isaac, Jacob fut né. Jacob fut né 12 garçons, donc c'est vrai, c'est pas vrai. Vous voyez, merci Seigneur, 13 plutôt, et les 12 tribus d'Israël. Et c'est grâce à ça qu'Israël, le peuple hébreu, Israël, la nation, fut n'exister, et à travers Israël, Jésus-Christ fut né. À travers Jésus-Christ, la chrétienté fut n'exister. Donc, allons, nous sortir d'Abraham. Oh, mais comprends, pasteur. Continue, pasteur.
Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Cela connaît donc, eh bien, merci Jésus. Ça, moi, tu es content de te lire avec moi. Galates chapitre 3, verset 29. Chapitre 3, verset 29. Donne-moi ça un petit coup, Johanna. Galates chapitre 3, verset 29. Si vous êtes à Christ, dites avec moi, donc je suis à Christ. Encore un coup. Et puis qu'il dit, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Que veut dire postérité? Descendant. Bons enfants. Dites avec moi, mon enfant d'Abraham. Encore un coup. Donc le fait qu'il m'en Christ maintenant, ça lui connecte moi avec Abraham. Ce n'est pas tout maintenant. Et puis qu'il dit, héritier. Que veut dire héritier? Alors, je ne pas qu'on causer. Je ne pas qu'on causer, je ne ça, quand tu es le temps de passer le téléphone, non, tu n'as pas qu'on causer. Tu as dit non, moi. Que veut dire héritier? Et un héritage. Amen. Un héritage, jamais rend-toi pauvre. C'est vrai, c'est pas vrai. Il rend-toi riche. Et quand il peut dire héritier, Abraham, là, mon camarade, ha ha ha. Non, tu hérites sur la santé, tu hérites donc, eh bien, en Jésus-Christ, tu hérites sur l'eau, sur l'argent, sur cabri, sur bœuf, sur cochon, sur tang. Ah, c'est vrai, c'est pas vrai. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Dire avec moi, mon enfant d'Abraham, mon héritier. Est-ce que je peux comprendre, mes frères, mes sœurs? Alors, à partir de ça, maintenant, là, ou arrête de dire, donc, aimer mon pauvre, tu es un héritier, tu n'es pas qu'à être pauvre. Ça, l'héritage, là, noir, ta pauvreté, ton détournement, c'est le coup, ça. Tu comment tu crois là-dedans, tu crois là-dedans. C'est vrai, c'est pas vrai. Dire avec moi, mon héritier. Amen. À cause de ça, nous sentons donc, je suis un enfant d'Abraham, héritier de la promesse. Pas promesse, promesse. Amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Laisse sa vie vivante dans la vie, mon frère. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je ne sais pas pour contenir mon émotion. Mais le peuple de Dieu ne faut pas rater sa bonne bénédiction. Il ne faut pas. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je connais qui est le plus grand businessman qui existe dans le pays. Bonne chrétien. Bonne du monde plus reconnu, c'est bonne chrétien. Nous sommes la tête et non pas la queue. Toujours en haut, jamais en bas. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, bon. Je vais dire ça plus tard, mais puisque la pensée veut venir me dire ça, donc, Dieu dit avec Abraham, toutes les nations de la terre, pour bénir eux-mêmes à cause de toi. Dire avec moi, moi, bénis moi-même. Maintenant, quand on dit, moi, dit, je casse moi la tête, tu n'as pas pu bénir toi, là, tu peux maudit toi. Sa maladie là, peut tuer moi, tu n'as pas pu bénir toi, là, tu peux maudit toi. Non. Dire plutôt donc, alléluia. Dire plutôt donc, moi, héritier de Dieu. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. La santé, c'est mon portage. Amen, amen, amen. Et que vous pensez maintenant donc que le nom de Dieu soit béni? Merci, merci. La Bible dit, nous, ne peut cause l'importance d'Abraham, là. En rapport avec nous. Galates chapitre 3, verset 9, qui dit, nous, tous ceux qui croient. Ah, 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 ah. Ah, ok, donne-moi cinq coups. Johanna, s'il te plaît, de sorte que ceux qui croient, bon, tu es content d'entendre la voix de tous ceux qui croient là? Amen. Pas trop tant d'autres. Qui arrive, ce monde qui croit là? Non, qui arrive, je me dis. Non, qui arrive, je me dis. Non, me dis, qui arrive, je me dis. Je ne peux pas entendre là. Ou même dire ça tous les grands matins. Si moi pas tu crois là, dans frère, bon, on va raconter toi. Amen. Si il y a une famille qui t'y vraiment même, donc, sous la médiation, c'est la famille d'en bas. On va pas pour rentrer dans sa bande de détails, là. Ça verset-là, avec beaucoup d'autres versets, il tient nous là-dedans. Dis avec moi, son béni. Amen. Et puis, comment béni? Avec Abraham le croyant. Tu connais ce que cela veut dire? Quand Dieu t'y bénit Abraham, lui t'y bénit Cyril, Gérard, Jose, etc. Donc, Anil, Clarel, etc. En même temps. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom de Dieu soit béni. Ou bien croire là-dedans. Le monde dit, si tu as besoin de connecter quelqu'un plutôt qu'à une place de travail, tu as croire. Je connecter avec bon Dieu, je bon Dieu. Joseph. Gloire à Dieu pour ben Joseph. Il y a beaucoup de Joseph dans la salle-là. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Jésus, amen. Joseph, pas Joséphine, hein, Joseph. Merci Jésus. Tu n'es pas capable. God and qui can béni en bas, lui pour l'éveiller. Tu es dans le trou, il sorti.
Tu as sorti de la prison, il est sorti. Tu as acquis lui, donc, eh bien, il triomphe. Tu as plus persécuté lui encore, il vient les rois pays, là, ça coule à lui. Est-ce que vous êtes là, mes frères, mes sœurs? Qui fait bénédiction, l'aujourd'hui. Et que Saint Joseph était un descendant d'Abraham. Petits enfants Abraham. Est-ce que je te l'aime là, mes frères, mes soeurs? Continue causer pasteur. Continue causer pasteur. Alléluia. Dire avec moi, je suis béni. Avec Abraham. Maintenant, vous connaissez qui fait mon diaou ça? Pas parce que vous montrez que mon plus spirituel. Afin que mon cas inspire ou un pays. Pour qu'il fait lui ici. Amen. Parce qu'il ne pas vivre juste pour l'imposition. Même si tout qui gagne l'imposition, tous les grands matins, on a besoin de dire. On a la force pour acquérir une richesse. COVID-19, COVID-20, COVID-21, COVID-19, pas connu 32, ça ne veut pas dire qu'on en est. Donc, eh bien, la Bible dit à nous qu'en bénédiction, Tilo Isaac, dans la famine, il s'aimait et il récoltait l'eau, là, mon camarade. Et, tu connais qui est arrivé là? Quand un prince jaloux toi, il a une affaire là. Et il reconnaît qu'il a donc, il reconnaît quelque chose. Amen, amen, amen. Nous pouvons voir ce qu'un grand bon Dieu, ben frère, ben sœur. Alléluia. Merci Jésus, amen, amen. Ce qui est intéressant aussi, donc, ça ne m'a pas encore expliqué, vous voyez, un pasteur Sanjit, vous connaissez que tout. Dieu appelle le paradis le sein d'Abraham. Je n'ai pas encore trop qu'à comprendre ça. C'est vrai, c'est pas vrai. Est-ce qu'il dans pas une parabole ça, Luc chapitre 16, tu as le pauvre Lazare et le riche. Et quand Lazare mort, il est dans le sein d'Abraham, et c'est le paradis, il est correct là-bas, lui. Qui fait qu'il appelle ça le sein d'Abraham? Maintenant, moi, je pense là, là, mais puisque, vous voyez, les personnels, moi, pas pour faire ça, venir une doctrine, mais qu'importe. Pour montrer juste l'importance d'Abraham, c'est ce que moi, je peux redire à juste là. Amen. Bon. Merci, Seigneur. Qui s'en a connu? Je connais. Alléluia. Luc chapitre 13, nous gagnons une plus grande vérité. La force de l'existence. Et moi, je ne sais pas comment on appelle ça, donc, de cette alliance qui Dieu fait avec Abraham. Jésus se rend dans le temple. Les jeunes de madame courbés pendant 18 ans. Paralysés, là. Dire ce qu'il te l'est, faire ce qu'il te l'est, même si ça, madame, là, tu existais à Zodi, tu pourrais se paralyser même. Dans le sens que la science, pas tu peux faire. Non, ni pour lui. Au moins qu'il bon Dieu guérit, il sait ce qu'on peut redire à Zodi, là. Jésus se rend dans le temple. Il dit, femme, tu as été délivrée. Il n'est pas dit, tu as été délivré. Dans cette traduction, il dit, tu es. Mais regarde bien, je prends le temps pour lire, moi. Vous voyez, je prends le temps pour étudier. Tu as, ça vient, tu finis d'être délivré. Ton délivrance, tu finis d'être prononcé. Dire avec moi mon délivrance. Mon guérison. Mon la santé. Mon prospérité. Il finit d'être déclaré. Décrété. Commandé. Par le Seigneur. Maintenant, je connais donc tout le temps n'importe qui, bon, quelque chose que tu as envie de faire. Tu peux donc ban Machukarba, Rachalik Sobolo, pour donc contester. Vous voyez, on ne fait rien dire, oh, bon, non, c'est fini, venez les autres jours, aujourd'hui non, aujourd'hui le jour du sabbat. Jésus-Christ dit comme ça, hein? Jette le jour du sabbat, je prends le bœuf, etc. Aldenbois, cette fille qui est une fille d'Abraham. Jésus-Christ apporte la guérison, cette dame, sur le fait qu'il y a une fille d'Abraham. Dire avec moi, un enfant d'Abraham. Encore un coup? Encore un coup? Non, comme enfant d'Abraham, ou guérison, il finit d'être déclaré par bon Dieu. Amen. Vous voyez? Donc, ce n'est pas à bon Dieu, quand vous guéris moi, Seigneur, qui fait pas guérir moi, Seigneur. Ce n'est pas à Dieu qui vous dit, Seigneur, quand vous tiens moi dans dette, tu as été déclaré riche, guéri, en bonne santé. Continue causer, pasteur. Alléluia. Amen. Maintenant, ça c'est mon opinion. Vous voyez, mon conviction plutôt. Ça m'a qu'à dire directement, vous voyez. Dans, à mon point de vue, Abraham gagne plus beaucoup de révélations au bon Dieu que n'importe quel autre individu.
Bon, vous dites autres qui fait. Maintenant, sa phrase qui m'a dit aux autres là, dit sa phrase là, m'a dit qui ken dit ça. Vous voyez? Il dit, hein, Dieu fait 48 promesses à Abraham. Vous voyez? Environ une cinquantaine, d'après moi, une cinquantaine. Maintenant, ce qui m'a dit aux autres, c'est qu'ils m'ont trouvé, donc, gloire à Dieu, merci Jésus. Hallelujah. Merci Seigneur. Hallelujah. Abraham, il reconnaît en Dieu une révélation qui Dieu, l'Éternel, c'est le Très-Haut. Vous connaissez ce que ça veut dire Très-Haut? Ça vient à peine, il n'est pas juste bien haut, il est Très-Haut. Ou pas capable d'imaginer, concevoir qui hauteur bon Dieu était. Par le mot hauteur veut dire saut, puissance là. Haute, 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 haute. Pas peur de dire bon Dieu, long là. Hein? Non, 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 non. Quand Dieu t'y crée l'homme à son image, il t'y donc il bien même longueur qui. Il cause élévation en dignité, en autorité, en puissance. Qui faire? Nous connaît. Parce qu'il dans. Nous connaît, c'est ainsi. Genèse 14. Abraham dit mon lève mon âme vers le Dieu très haut. Nous pas nécessairement trouver ce terme-là avant. Plus tard, nous vous trouvons ça apparaître. Dis qu'il y a dire avec moi, mon papa, c'est le Très-Haut. Le Seigneur, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, écoute maintenant, écoute, 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 écoute. Et puis, il y a là, j'ai besoin de mes autres noms aussi. Allez, nous vous commencez là. Comment je finis de dire Jacob, je mets mes autres noms. Il y a l'Éternel, mon Dieu. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Joseph. Vous allez prendre nos autres noms, hein? Amen, amen, amen. Dire avec moi Dieu le Père. C'est le papa de Jésus et le papa. Mets tout nom, papa. Mets tout nom, mets tout nom, mets tout nom. Fais le diable qu'un père. Fais-le qu'un père. Fais-le sauver, allez. Quand vous croyez que bon Dieu ou papa, là le diable lui caillé. Tu sais comment ça veut dire, lui caillé? Un film, donc petit comique. Je ne connais pas ça, vous voyez. Je ne connais pas un petit comique démon, démon. Je ne connais pas Tom et Jerry. Ça, c'est un vrai petit comique, vous voyez. A tout, donc, eh bien, ça te l'a pu faire sur méchanceté. À un moment donné, ça gros tutu là paraît, les cahiers. Eh? Ce lidant tombe tout seul. Ce poil tombe tout seul. Hein? Moi, je dis ça parce que je te connais. Un jour, moi, tu dis, bon, moi, Tom et Jerry. Un sœur amène trois DVD tu me dirais, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à tout. Je n'ai pas encore réussi à tout. Un jour, me racontait comment donc, eh bien, je n'ai pas comment Isaïe, je n'ai pas content l'anti-rouge, je n'ai content l'anti-noir, tu as compté l'anti-noir qui m'a gagné là, ça. Un jour, donc, eh bien, je suis encore rouxi, je suis peux causer comment je suis content papa, je suis gagné ça, gouni papa, et après, mon camarade, amen, amen. Avec ça, avec Frère Nadal. Mais un sac, un sac. Moi, tellement mon papa, jusqu'à mon zone, peut vivre une zone d'où. Toi qui tu remarques ça, non? Hein? Amen. Marie Dieu, moi. Marie Dieu, c'est que mon content. Laisse le Seigneur cause avec vous. Amen. Tout le monde dit gloire à Dieu. Dire avec moi, mon Dieu. C'est le Très-Haut. Est-ce qu'on y a une révélation maintenant, comme Abraham, qui Dieu, c'est le Dieu Très-Haut? On rappelle un jour, donc, moi, dans une situation très, très difficile. Pas qu'on est qui pour trapper, qui pour larguer. Pas qu'on est qui pour faire. Pas qu'on est qui pour arrêter de faire. Vous voyez? Ma accusation, moi, à l'époque-là, moi, père, étant facteur, vin la car, moi, père, pour aller prendre l'aide. Parce que si moi, gagne 5, 6 lettres par jour, 3, 4 là-dedans, tu viens d'un insulte, d'une malédiction. Ou pas qu'on est où? Quand le monde passait. Ah, vous voyez? Ah, c'était là, mon cave. Là en riant, c'est à l'époque-là, non? Maintenant, mon recevoir une lettre. Mon vie connaît ce une requête de prière. En même temps, mon dit là, ça m'a insulté là-dedans, là, il est incroyable. Donc, on est qui verser, vous voyez, in aide-moi. Melchisedec, dire avec Abraham, ou plutôt, il bénit Abraham par le Dieu très haut. Dieu dit à moi, moi le très haut, mon bénis-toi. Personne ne peut faire ça du tout. C'est là, on a une révélation, oh là, frère. Un projet qui nous fait donc beaucoup d'opposition. Le Très-Haut avec nous, nous pourrions réussir.
Amen. Amen. Maintenant, nous faisons bannir mort ce qui bise, nous écrivons code bise, nous faisons ce qui bise, mais nous la foi lui dans le Dieu très haut. Tu dis, on dit, gloire à Dieu. Deuxième révélation qu'Abraham a gagnée. Voyez, Dieu dit, maintenant, c'est dans où est-ce que je suis. Genèse chapitre 14, que je peux trouver de qu'Abraham dit, les mots, la main vers le Dieu très haut. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Le verset 22. Mais dans Genèse chapitre 15 maintenant, Dieu dit avec Abraham, moi-même te bouclier. Amen, amen, amen. Si vous n'avez la foi plus dans où, une caméra, comment vous voulez, surveillance, ou bien dans où gris. Maintenant, moi, vous voyez, nous mettons ça dans l'église. Moi, j'ai un antivol contre moi. Parce que la foi ne veut pas dire mon temps de bon Dieu. Je laisse la porte, le taux ouvert, je dis, ben non, bon Dieu, fais un autre travail là. Eh bien, les autres bananes qui vous font travail là, tout le monde. Et tu es venu, tu vois tout, non, on est là-dedans. Non, ou faire ce qu'il vient faire dans le naturel. Vous voyez? Mais toute la foi, elle n'est pas dans sa même affaire là. Est-ce que ça fait comprendre moi là? Amen, amen, amen. Et nous vivons sans crainte. Donc, Dieu a dit, moi-même, te bouclier. Parce que j'ai besoin de réaliser que ça, à l'époque là, si ben là donc toutes les bonnes femmes bien jolies, je tue toi, je prends tes bonnes femmes. Abraham, des fois, tu viens faire face à cela. C'est vrai, c'est pas vrai. Et t'es pas tu veux qu'à faire un là. Je trouvais maintenant beaucoup du bien. Eh bien, je vais vous dire, donne-moi un peu. Non, je te prends tout. Mais avant, je te prends tout, je te coupe toute la tête. Amen. Dieu dit avec Abraham, n'a pas peur. Ne crains point. Et puis, il y a le bouclier raison. Il ne faut pas te grimper. Je suis ton bouclier. Ah! Tu as dit, n'a pas grimper. Ça fait moi rappeler Matoun. Ma tante Matoun. Oui. Non, son nom même, ça. Je ne connais pas qui tout ne peut penser. Matoun. Il s'appelle Matoun. Gloire à Dieu. Bon caractère, hein? Il fait nous beaucoup du bien. Ça m'a besoin de dire. Veillons-nous donc quand maman, papa, pas là. Mais, c'est à l'époque-là, donc, la lumière, tu rares. Tu vis avec la lampe pétrole, avec la bougie. Tout si tu passes, tu gagnes père. Vous êtes la même là? Amen. Alors, un jour, donc, eh bien, Matoun, veille-nous. Mon grand frère, il fait rien de méchancé. Mon grand frère Harold, peut-être l'a oublié. Moi, ça m'a fait pas oublier, moi. Mon grand frère, il me mange quatre pattes dans le noir et fait un son qui m'a oublié. Ma tune gagne père. Ça coule, ce qui est arrivé, ça coule. Hein? Nous gagne père ensemble avec ma tune. Ma tune tient un mauvais bouclier. Amen. Amen, 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 amen. Mais qu'est-ce qu'on a là? Vous voyez, moi je confesse ça tous les jours. Moi, tous les jours, je confesse ça. Le Seigneur, c'est mon bouclier. Qu'est-ce qu'on a pour qu'à faire moi du tout? Maintenant, je n'ai pas tant de bon Dieu. Non, si par exemple, donc, il y a une consigne, une instruction du gouvernement, pas par cela, pas faire ça, etc., mais pour obéir. Parce que Dieu n'est pas béni la désobéissance. Il n'est pas béni la rébellion. Réponds-moi, mon frère, mon soeur. Amen, 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 amen. Je suis n'importe qui faut. La rébellion, la désobéissance, met toi dans le même camp que le diable. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais mon fils comprend par là, donc personne ne peut faire moi du tout. Parce qu'à un moment donné, frère, j'ai une banlette anonyme. C'est une banlette qui doit mettre de taille, de papier, etc. J'ai au moins 17, 18 comme ça. Une menace incroyable. Radieux. Quand c'est des autres, c'est qu'ils m'ont prêché, donc, eh bien, mon principal conviction, par exemple, c'est ça verset là. Je suis ton bouclier. Amen. Merci Seigneur. Ne crains point. Donc, on a une raison pour ne pas grimper. Dieu lui-même, mon bouclier. Aucun autre vient de bouclier. Alléluia. Un bouclier, donc, il bat tout quelque chose qui roule à ta cou, qui roule faire audito. Et puis, il part là, il dit, hein, ta récompense sera grande. Je serai ta grande récompense. En fait, moi, j'ai étudié ça dans la traduction Turaki.
Il dit comme ça, donc ton salaire est pour bien, bien, bien grand. Alléluia! Oui, frère, moi, je travaille dans un petit département. Mais le problème, c'est que donc, tu as la foi de ton département. La Bible dit, moi-même, pour vivre ton salaire. Moi. Dire avec moi salaire. Pas salaire, température, salaire. S-A-L-A-I-R-E. La monnaie, poulous. Amen. Pesos. Euro. Livre sterling. Dollar. Oui, c'est vrai, la paix, oui. Hein. Reward, la paix, salaire, oui. Amen, la monnaie. Ah, c'est là. Dis-moi que bon Dieu n'a pas envie de me prospérer. Tu n'as pas connu l'état. Avec la Bible, moi, bon Dieu, même pour donner un bon salaire. Quand tu as un bon salaire, tu as une prospérité. Alors, tu peux redire, moi, prospérité pas vienne de Dieu qui te fait gagner. Ouvre ton cœur. Non, parce que je connais qui fait mon diazot ça. Je connais qui fait mon diazot ça. Mon tout le monde dit, moi, je souffre, moi. Je suis cassé par connaître mon bon travail. Ça va te casser par connaître mon bon travail. Puis, il n'a cassé pas le travail. Etc. Un dipin divisé en trois. Mon péco, vous voyez, hein, pour donner ça à trois enfants. Hein? Ah, bon Dieu content, frère, bon Dieu content, où? Bon Dieu content, bon Dieu, donne bien. Non. Vous êtes enceinte, ça va être quelqu'un là, qui sa pauvreté là, il n'est pas venu de Dieu, ça. Moi, n'a pas 10 témoignages comme ça, frère. Ben, Dieu, on n'a qu'à raconter. Alléluia. Qui le Seigneur fait faire. Amen. Pas plus tard, donc, avant-hier, un frère de nous, un témoignage, un frère. 600 000 roupies l'intérêt la banque. Rien de seul coup. Amen. Et la veille, c'était un dimanche, moi j'étais avec un membre comité, qui joli témoignage que nous peut entendre. Dans l'époque Covid, quand la peine un client, un frère donc ce business plus béni qu'auparavant. Parce qu'ils ont croire dans la parole de Dieu. Non, mon tout lit allait là, tu priais pour lui d'aller là. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Continue causer pasteur. C'est ce qui m'a confessé tous les jours. Le Très-Haut finit béni moi. Ni Pharaon ni Abimelech pas capable de faire moi du tort. Personne pas capable de faire moi. C'était des plus grands les rois à l'époque-là. Abimelech avec Pharaon. Le Seigneur c'est mon bouclier. Amen. Si tu es plus grand que bon Dieu, il est là, tu fais moi du tort. Puisque tu n'es pas plus grand que bon Dieu, eh bien, change de l'idée. Amen. Et puis, l'étant Abraham, c'est là que je crois qu'il y a Abraham, donc sur la foi. Alléluia, il a fermé. Dieu dit comme ça, je suis le Dieu tout-puissant. Dire avec moi tout-puissant. Que veut dire tout-puissant? Il n'est pas si puissant, il est tout-puissant. Vous voyez, le moment où Dieu est tout-puissant, on a peine à quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Tout le monde dit gloire à Dieu. Amen. Et puis il dit comme ça, donc eh bien, marche devant ma face. Vous voyez, c'était un... ma face veut dire ma présence. Marche devant ma présence. Mais... meilleure traduction qu'ils m'ont trouvé, Lola, c'est la traduction Mofat. C'est une traduction très, très, très rare. Il n'a pas demandé à s'apprêter, il tourne pas pour gagner. Vous voyez, donc, eh bien, l'idée que ça, sois toujours conscient que moi avec toi. Il est avec moi le Tout-Puissant. Tout le temps, il est avec moi. Ah, voilà, donc, eh bien, qui te faisait grimper. En tout temps, avec toi. Et parce que quand nous, tu fais que vivre chrétien longtemps, nous croyons, nous, tu faisons prier pour mon Dieu, accompagne-nous. Tu te rappelles ça? Un quelqu'un vient terminer la réunion. Oui, termine la réunion. Seigneur, accompagne-nous jusqu'à chez nous. Nous, je connais. Alors, dans nos pensées, donc, bon Dieu, donc, il accompagne nous. Qu'on arrive devant nous, l'apôtre, l'entourage. Si nous n'avons l'apôtre, l'entourage. Parce qu'il y a, bon Dieu, il nous dit à plus tard, jusqu'à m'écrire du premier ministre. Non. Là, Jésus-Christ dit, je serai avec vous jusqu'à. Au pas trop tant d'autres qu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Et d'ailleurs, plus que ça, il n'est pas juste avec nous, il dit, un ciel avec nous. Vous voyez, où l'esprit que l'esprit, c'est que c'est un ciel, l'esprit. N'importe quoi que ça soit, tu étais donc, eh bien, Jésus-Christ avec toi. En tout cas, pas reconnaître ton présent, mais il est tout le temps avec toi. Dire avec moi, me reconnaître en tout temps. Qui Dieu est avec moi. Et puis il dit, sois intègre. La meilleure traduction montre, il dit, Dieu trouve-toi intègre. Dieu trouve-toi juste. Dieu trouve-toi donc comment tu obéis à été. Tu dis, gloire à Dieu. Encore un coup.
Alléluia. Merci Seigneur, que le nom de Dieu soit béni. Et le cadre ne manque aux 15 minutes. Me prend 15 minutes. Merci Jésus, amen. Vous connaissez, à un moment donné, bon Dieu dit avec Abraham, justement à l'état de Dieu, moi-même tout-puissant, Abraham, me puissance ton nom. Amen, amen. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, c'est un groupe chrétien qui fait de sainte doctrine. De prophétiser toujours là. Ton nom ne sera plus Ravine, tu seras appelé Paul. D'ailleurs, tu te désappelles Gopol, appelle-toi Paul Gopol, là, ça goûte. Hein? Etc. Maintenant, vous voyez, je ne peux pas croire là-dedans parce que Dieu ne change mon nom vraiment. Amen, amen. Moi, tu es enfant de ténèbres, moi, je suis un enfant de lumière. Moi, tu es pauvre maintenant, moi, riche. Moi, si quelqu'un est un docteur Poipelou, ou un diabétique, madame, ou un cardiaque, madame, ou un portier, etc., madame. Non, 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 moi, je change mon nom. Non, non, moi, je m'appelle guéri maintenant. Je m'appelle guéri, 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 et en parfaite santé. Hein? Tu es au bas de l'échelle. Qui ça, qui ça? Qui s'en est établi à l'échelle-là? Bien au contraire, moi, la tête plus haute que l'échelle-là, moi, était moi. Au bas de l'échelle-là. Au bas de l'échelle. Non, non, je ne peux pas qualifier moi comme ça. Non, 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 excuse-moi. Vous voyez. Ou bien change de mentalité, mon bon frère, mon bon sœur. Amen, amen. Ou capable de changer la vie quand vous trouvez un Abraham. Tout le monde dit gloire à Dieu. Vous voyez. Je vais t'expliquer donc bien dans le dimanche matin qui, où la foi, c'est que vous êtes capable d'accomplir. Il ne dépend pas de qui certificat ou non. Il ne va pas dépendre de là. Non, 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 jamais. Non, non, non. Vous voyez, c'est Dieu qui donne la puissance pour acquérir bonne richesse. Bon, 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 bon. On oublie qu'il dimanche, mais il dit, ah bon, écoute ça, et ça vous fait du bien, quoi. Alléluia, amen, amen, amen. Dis avec moi, bon Dieu, ne change mon nom. Encore un coup? Alléluia, amen, amen. Donc, on est qui même les parents, beaux-parents de Jacob, tu appelles le béni de l'Éternel? Mais appelle au même le béni de l'Éternel. Ou continue à aller, ou croire là-dedans, ou continue à aller, ou croire là-dedans, ou continue, ou trouver à accomplir. N'est-ce pas formidable? Vous dites, n'est-ce pas formidable? Maintenant donc, c'était là que mon 15 minutes commençait là, ouvert avec moi, moi ne sens pas beaucoup de détails. Moi, les temps. Laisse-moi dire juste ceci, mes frères et mes soeurs. Alléluia. Je connais. En grand, non, on va vous dire ça parce que attention, je te mal comprends moi. Cette histoire de changement de nom, vous voyez. En fait, si vous titre changez, les là ou l'autorité changez. Pasteur Ravine Gopol, les cas continuent appellent Ravine Gopol. Mais si maintenant donc il gagne promotion du gouvernement, il vient chef telle affaire, c'est ça qui donne les. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Et l'étant bon Dieu, déclare-moi fils de Dieu, triomphateur du monde, la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, et taïr, alléluia, amen, amen, amen. C'est bonne affaire que vous besoin fausse ou pour croire, ou pour comprendre moi là, ou tapou les pieds en bas, parce que la tête vous dit non, ta, non, ta, non, qui te dit, ou tapou les pieds en bas, vous dites, voilà ce que moi été, c'est que bon Dieu dit, moi été, ça même moi été. À un moment donné, Satan pour trouver te déterminer, te croire là-dedans. Il y en a trop beaucoup de gens qui ont abandonné, de confesser un jour, des jours, et puis d'oublier ce qu'ils veulent dire. Mais ça, vous voyez, jamais je ne suis capable d'accomplir quelque chose. Ou bien croire, ou tenace, tenace, ou continue à croire, ou continue à croire. Voilà ce qui nous pouvait dans la vie d'Abraham. Tu continues à croire. Et il continue à croire. Et puis il continue à croire encore. Il continue à croire. Il continue à croire. Romains chapitre 4. Le verset 17. Dieu peut causer avec Abraham là. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Dire avec moi l'île Maurice là-dedans. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Regarde ça, joli garçon là maintenant. Dites la Bible qui montre à moi dans qui bon Dieu. Abraham finit croire. Ça veut dire Abraham, tu finis connaître là. C'est un bon Dieu qui m'a invoqué là. Si quelque chose n'a pas existé, il fait l'exister. Si quelque chose mort, il rend les vivants.
Mais qui te l'est plus que ça? Qui te l'est plus que ça? Dieu a créé un travail pour toi qui jamais n'existait. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est une situation, une mort, tu vas dire, bon Dieu est capable de ressusciter. Mon bon frère, mon bon sœur, vous voyez, moi, ou comprend ça, ou fausse, ou pour comprendre ça, si vous envie, trouve quelque chose. Amen, amen. Jésus-Christ, donc, il pose une question triste. Il peut raconter comment une madame, donc, tous les jours, tu as le coach juge, magistrat, il y a magistrat, fais-moi justice. Donc, eh bien, j'ai un coquin, moi, mon besoin, donc, qu'ils te remboursent, moi, ça. Le magistrat pas d'accord, il n'est pas respecté, bon Dieu, il n'est pas content du monde, etc., etc. À un moment donné, il dit, afin qu'il me pompe sans madame là, viens, casse-moi la tête, c'est ça le vrai mot, laisse-moi faire les justices. Et là donc, eh bien, Jésus-Christ dit, regarde ce que a dit le juge, le magistrat. Est-ce qu'il n'est pas pour faire, nous, promptement justice? Dis avec moi, promptement. Encore une fois. Que veut dire promptement? On veut dire rapidité. Dieu n'est pas tardé, lui. Nous qui tardons pour croire. Mais il y a mais. Oh là 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 là. Voilà la question triste. Quand il peut retourner, est-ce qu'il vous trouve la foi là, la terre? Dis-moi, aujourd'hui, crois de n'importe quoi que ce soit, mais tu quittes la foi, papa. Tu quittes la foi. Dire avec moi, maintenant, si ou une madame ou dire une femme. Maintenant, comprends bien comment on peut dire, mais pas encore moi, il faut. Comprends bien, vous intelligent, c'est vrai, pas vrai. Vous dire un homme de foi ou bien quand, une femme de foi. Un des trois, moi un homme de foi. Non, une madame qui me dit là, oui, je vous dis, moi un homme là. Un des trois, moi un homme de foi. Ah, c'est là mon tano bien. C'est-à-dire, ou croire, ou continuer à croire. Alléluia. Et justement, dans mon cantique là, on dit à Dieu, appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, il donne la vie aux morts. Mais tu gagnes sa révélation là, frère. Tu dis, on dit à gloire à Dieu. Cela vient n'appelle aucune limite à ce que Dieu est capable de faire. Le verset 18. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Là, c'est, là, moi, tu as compris, explique ça donc. Enzo, donc, est bien dans cause causée. Frère Clarel, tu expliques ça super bien. Amen, 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 amen. Il peut dire là, quand il n'a aucune raison pour espérer, dans le naturel. Qui s'en a connu dans le naturel, nous dit tant qu'il a la vie, il a l'espoir. Vous voyez, il y a là, quand on peut n'en aucun, parce que l'hypérodier qui, à l'âge de 99 ans, il n'est pas capable d'espérer pour le vivre, papa. À l'âge de 90 ans, il n'est pas capable d'attendre, il n'est pas capable d'espérer, souhaiter, espérer, qui sera pour une maman. Il y a, mais tout de même, il espérait. Le mot, la foi est une affirmation des choses qu'on espère. L'espérer, il y a tant, dire avec moi, attendre. Il y a tant qui bon Dieu pour agir, malgré tout l'espoir normal fini. Alléluia. Merci Seigneur, il y a l'espérance, il y a l'espoir surnaturel en Dieu. Parce que pour bon Dieu, l'âge n'a pas compté. La mort n'a pas compté. Dieu n'a pas fait tout. Pourquoi tu ne comprends là? Ben qui peut comprendre? Non, je ne comprends. Il crut, espérant contre toute espérance. Qu'il fait? Il croit. Dire avec moi, mot pour croire. Il faut des années où dire. Vous voyez, mes enfants, ils loin, bon Dieu, trop loin. Non, 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 non. Vous espérez tout de même. Amen. Et maintenant, l'hypène, l'espoir veut dire un souhait. Vous croyez qu'il faut aller qu'à arriver. Non, le moment où croire, c'est que vous puissiez espérer, vous viendrez. La foi est une affirmation des choses qu'on espère. Le moment où tu espères par la foi, tout l'espoir vous vient une réalité. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Le verset 19. Le verset 19. Donne-moi le verset. Sans, ah, ça l'est bien important. Sans faiblir dans la foi. Dire avec moi, sans faiblir dans la foi. Ça veut dire, il ne faut pas faiblir. Le moment où croire, où garde même niveau croyance. Longtemps, moi, tu peux croire, c'est là, moi, crois, tchigit, tchigit. Dans la version turanque, il dit ça, nous ne sommes pas nés dans la foi. Nés, nous peine développer là-dedans. Nous, la foi peine développer. Est-ce que je peux comprendre, mes frères et mes sœurs? Il ne faut pas te faiblir dans la foi. Tu la foi, il est tout le temps au même niveau. Qui t'arrive, Pierre, quand tu coules, quand tu manges des dos? Il faiblit dans la foi. Si tu gardes la foi, tu peux morcer jusqu'à faire dernier pas. Il ne compte. Ah, guette bien qu'il y ait là. Comment est-ce qu'il faut des pommes? Comment est-ce qu'il est capable de ne pas faiblir dans la foi? Je ne considère pas. Je ne considère pas l'adversité, mon problème. Dans son cas, c'était son corps qui était déjà usé. Pourquoi je comprends ce que cela veut dire? Il n'est plus qu'Abraham, là. Hein? Il n'est plus qu'Abraham, là.
Ça vient, ce l'écoute vient inutile une mort, comme la Bible dit nous, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais il n'est pas dire avec maman, pas considéré. Voyez, mon désaccord, alors là, donc, mon cause de comprendre, c'est ça l'exercice qui est plus difficile. Là. Voyez? Parce que nous avons tendance pour être affecté par quelque chose de négatif qui nous tendait. Nous avons tendance pour être affecté par quelque chose de négatif qui nous trouvait. Vous voyez? Mais quand on arrive, alléluia, regarde par les yeux de la foi. Ne pas voler ce qui nous peut trouver par nous liser naturel affecté, non? Parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ah, est-ce que vous avez compris moi là? De trouver comment ça lui, de trouver comment ça donc, comme Abraham peut accomplir Hébreux chapitre 1er là? Pour moi, c'est un miracle qui ne m'a pas encore trouvé là. Le plus réel que c'est un problème qui m'a pas trouvé là. Vous connaissez combien de fois mon bisin fait ça pour nous un bâtiment? Vous voyez? Oh mon Dieu, mon Dieu. Elle a une situation extrêmement difficile. Et montrez-moi ça. C'est qu'il ne t'a pas trouvé le plus réel que ce qu'il te peut trouver. Alléluia. Amen. Tout le monde dit gloire à Dieu. Le verset 20. Le verset 20. Verse 20. Il ne douta point pour incrédulité. Dire avec moi, mot pas douter. Maintenant, douter ne veut pas dire pas croire. Douter veut dire croire en Tchigit et pas croire en Tchigit. Vous voyez? Dire avec moi, point. Tout le monde dit point. Point veut dire point. Quand on appelle ça point, sans qu'on appelle, tu peux appeler point. Que tout le monde comprend que point veut dire point. Point veut dire zéro. Ne crains point, crois seulement. Ne doute point par incrédulité au sujet de la promesse. Lorsque quelque chose ne faut pas me douter, lorsque c'est que bon Dieu nous promet. Si l'on dit, l'on guérit moi, l'on guérit moi. Si l'on dit, l'on prend ma pauvreté, l'on prend ma pauvreté. Il ne faut pas douter lors là. Mais il fut fortifié, dire avec moi, fortifié. Mais il n'est pas dit par la foi, il est dans la foi. Pas par la foi. Non, 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 non. C'est vrai, moi, la foi rend moi fort, mais dans la foi. Je ne pas faibli dans la foi, mais fort dans la foi. Je suis fort dans la foi. Je ne pas fort dans ma position. Comme chrétien, comme bishop, comme ancien, mon faux dans la foi. Est-ce que je peux comprendre, mes frères et mes sœurs? Ça, c'est très important. Mon pas faux dans mon ancienneté, dans le fait donc, etc., etc. Moi, je serviteur de Dieu, bishop, je ne sais pas qu'ils appellent. Non, 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 mon faux dans la foi. Parce que le diable n'est pas pour mettre moustache, ni ton carabi, ni ton bataze, ni ton soulier talon, ni ton cravate. Arrêtez-moi, je ne vais pas répondre non là, pas qu'on est qui va arriver. Gloire à Dieu, mais il pète la foi. Et puis qu'il dit, donnons gloire à Dieu. Dire avec moi, donnons gloire à Dieu. Encore un coup. Est-ce que vous connaissez que le mot donnant veut dire mot continue, donne gloire à Dieu? Non pas quand les choses paraissent améliorées. Alléluia, gloire à toi, gloire à Dieu. Et puis les choses réapparaissent pas correctes là. M'aurait sombré encore. Non, non, non. Mot continue, donne gloire à Dieu. Le verset 21. Le verset 21. Ayant la pleine conviction, dire avec moi pleine conviction. Qui quand c'était conviction? Pleine conviction. Pleine conviction. Parfois on a une conviction, mais il n'est pas pleine, il n'est pas parfaite. Pleine persuasion, ce qu'il promet, ce que Dieu nous promet, les cas va accomplir. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon bon frère, mon bon sœur, pour encourager, lire ce bon verset-là tous les jours. Si vous avez envie, gagne l'impossible. Vous voyez, si vous avez envie, ce qui paraît impossible et trouve ben difficile, vient facile pour vous. Amen. Vous voyez, voilà ce que moi m'a fait. Tous les jours, mon confesseur, ça c'est sûr et c'est atteint. Un enfant d'Abraham, vous avez fait comme papa là. Le verset 22. Le verset 22. Verset 22. Verse 22. C'est pourquoi cela le fut imputé à justice. Voilà la raison. Voilà la raison, parce qu'il ne marche par la foi, remplissant les conditions de la foi. Amen, 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 amen. C'est pourquoi. Le mot maintenant fut imputé à justice dans la version Turaki, il dit, il met ça l'eau sur compte. Le moment me croire, c'est quelque chose qui m'a fait croire là, met ça l'eau sur compte. Comme si je dirais, mon commande lui par la foi, mon commande quelque chose par la foi là. La santé, prospérité, victoire, le moment me croire, il dit, ok, mais comme tu dirais, mais ça l'homme au compte, le diamant gagne, il est là.
Parce que le mot, hein, l'homo crigi, vous voyez, etc., mais ça, l'homo compte. Alléluia. N'est-ce pas formidable? Est-ce que vous n'êtes pas content, donc, qu'il se demande promesse en lui, inscrit l'homo compte? La foi, mon camarade, la foi. Le verset 23, nous pourrions être la même, le verset 23, demain le verset 23. Mais c'est ça que moi, vous dites. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, le verset 24. C'est encore à cause de nous. Dire avec moi, à cause de moi. À cause de moi. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui ressuscite les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. La Bible dit à moi, quand vous croyez par la foi, sa bénédiction que mon réclame là, mais que l'homme au compte, moi ici, pareil, ça, sa justice là, mais que l'homme au compte. Voilà. On va le faire un mot banser. Vous voyez, personne parmi nous n'a pas pu comprendre quelle qualité de désastre nous avons passé le monde entier, l'année 2020. Vous voyez? On parle donc pour dire telles affaires, situations pour une plus difficile. Mais si situation est une plus difficile, nous gagnons plus beaucoup de victoires. Le témoignage de sa frère, donc, et bien, qui nous tient avec lui. Nous sommes avec lui, donc, eh bien, comment ça s'appelle? Dimanche, mon corps, on disait ça, là. Là, il travaille avec des touristes, avec etc. Les touristes peuvent venir, peuvent un client, et pourtant, il ne rapporte plus beaucoup cette année-là que les autres années précédentes. Je peux comprendre, là, mes frères et mes sœurs? Maintenant, vous souhaitez vraiment, envie, donc, que tout quelque chose est tout normal. Vous voyez? Mais moi, la foi, elle n'est pas dans les choses paraître normales ou bien non. La foi dit dans le Seigneur. S'il y a arrivé que Covid là, il prend beaucoup forme, on ne connaît pas, mais bon Dieu, il est tout le temps pour gardement en forme. Lui. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. En parfaite santé. Il n'y a pas besoin d'affoler avec le monde. Abraham tient quelqu'un à part, totalement à part. Vous voyez, tout le monde dit gloire à Dieu. Encore un coup. Alléluia. Est-ce qu'il donc, eh bien, le cas de manquer 3 minutes, ou obligé des autres ça, Dans toute la vie d'Abraham, il y a quelque chose qui plaît. Gloire à Dieu, il vit longtemps. Gloire à Dieu, il prospère. Gloire à Dieu, donc, eh bien, tout ce qui est bon Dieu, donc, eh bien, Dieu. Vous connaissez ce qui plaît résolument, Jacques chapitre 2, verset 23, dis-moi, Abraham fut appelé ami de Dieu. Ouh, mon camarade. Maintenant, ami de Dieu, camarade. Oui, moi, 400 000 au Facebook, et bien 318 000 au Internet, etc. Pas appelé camarade. Si tu en as 300 000, ah ben 3 000, donc, et bien, mettez donc camarade, tu en as 3 000 problèmes, tu en as. Tu vois, quand même, ça compte, tes camarades là. Bon, on va vous venir là, vous voyez, on va faire un coup, là, camarade. Vous voyez, un lancement, là. Mais ami de Dieu, vous connaissez ce que cela veut dire? En tout cas, tape sur la porte n'importe qui l'est. En tout cas, vous faites l'équerre avec lui. Et dans Banca Kotlan, Abraham, Dieu t'appelait ami d'Abraham. C'est bon Dieu qui raconte les banques qui se. Dieu pouvait se l'équerre avec toi. C'est vrai, c'est pas vrai. Amen. Elle est extraordinaire. Jésus-Christ dira avec ce monde, disciple, mon plus pour les autres serviteurs, mon pour les autres amis, parce qu'il donc un serviteur, il n'est pas connu ce qu'il se maître faire, mais donc un ami, il pourra il pouvait se l'équerre avec ce camarade. Plus grande bénédiction au cas gagné, c'est présence de bon Dieu, que là au pécose avec ou respectez lui. Amen, ça c'est sûr. Alors, il n'y a aucune barrière en tout avec Dieu. Vous voyez, nous tous ne faisons rien dans la vie. Merci frère, j'ai 17 du monde, mais jamais mon tout bon Dieu, maltraite-moi, etc. Tu ne vaux rien. Non. Au contraire, bien au contraire. Est-ce que je te l'aime, mes frères et mes sœurs? C'est mon ami. Amen. Dieu le Père est mon ami. Jésus-Christ est mon ami. Lola, donc, pasteur Clarel, il gagne l'inspiration. Saint-Esprit, mon bon camarade. Est-ce que je te l'aime, mes frères et mes sœurs? Ça, il vous prend nous tout un sermon pour expliquer ça. Bâtir ça, l'amitié là donc, eh bien, avec Dieu le Père, avec Jésus-Christ. Alléluia. Tout cela lui montrer où, donc, à qui point Dieu lui pour où, avec où, dedans de où, autour de où. Je suis maintenu debout parce qu'ils sont encore, donc vous continuez à causer encore. Merci Jésus, amen. Alléluia. Vous dites juste la dernière phrase là. Puisque Dieu, qui camarade avec Abraham, Dieu pose lui-même une question.
Et est-ce qu'il me peut cacher Abraham ce qu'il me peut faire? Dieu lui pose les mêmes questions. Frère Sylvie, il dit, est-ce qu'il me peut cacher Abraham ce qu'il me peut faire? Il dit, non, laisse-moi raconter tout. Vous comprenez qui ça veut dire pour vous? Gloire à Dieu, merci Jésus. Mais, je pense de la guitare, vous êtes? Amen. Je te répète cette prière avec moi, Seigneur mon Dieu. Moi, dis-toi merci. Me marche dans les pas de la foi d'Abraham. Alléluia. À cause de ça même, moi, je trouve ce qui est impossible, l'évine possible. Ce qui est difficile, l'évine très facile. Alléluia. Alléluia. Moi, dis-toi merci, mon Dieu. Moi, dans la santé d'Abraham, en Jésus-Christ. La richesse d'Abraham, en Jésus-Christ. Alléluia. Moi, louez-toi, Seigneur. Puisque mon enfant d'Abraham, mon besoin vivre dans la santé, dans la richesse, mon béni avec Abraham le croyant. Alléluia. Seigneur, moi aussi pareil, mon reconnaissant toi, le Dieu très haut. Toi même mon bouclier, mon pas pernanier, mon récompense lui très grand. Alléluia. Toi même le Dieu tout puissant. Rien n'est impossible à toi. Il y a une alliance entre toi et moi. D'après cette alliance, tu bénis moi et tu vins l'adversaire de mes adversaires. Tu ne changes mon nom. Moi, je n'ai pas un enfant de ténèbres. Moi, un enfant de lumière. Moi, qui est béni. Alléluia. Triomphateur. Toujours à la tête. Moi, je dis merci, mon Dieu. Toi, le Dieu Tout-Puissant, tu appelles à l'existence ce qui peut exister. Te donne la vie aux morts. Dans n'importe quelle situation, même lui paraître désespéré, moi pour continuer à croire. Alléluia. Moi pas faible dans la foi. Moi pas considère ben quelque chose qui m'a trouvé, ou qui m'attendait, ou qui m'a ressenti. Alléluia. Moi crois dans tes paroles. Moi pas douter. Moi fort dans la foi. Moi donne-toi la gloire. Moi j'ai une pleine assurance. Tout ce qui te promet moi, tu n'as pas fait aller. Merci mon Dieu. Tu es mon ami. Tu es mon ami. Tu révèles-moi mon avenir. Tu fais-moi comme un secret. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont connu ce cantique? Je suis un enfant d'Abraham. Ok, nous sommes. Je suis un enfant d'Abraham. Je suis un enfant du royaume. Un héritier de la promesse.
vos premiers appels, c'est si on est venu pour la première fois. On t'en parle d'Abraham, enfant d'Abraham, Dieu d'Abraham, ou capable ou ici, ou bizin, vine un enfant de Dieu en Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous prêche là, les cas vivent vivant dans la vie, fait un miracle pour vous, même au désespéré. Quand on croit dans le bon Dieu, désespoir, alléluia, licencié, lui, une assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qui nous espérait avec assurance. Vous pouvez inviter donc au vin par devant, si on vient pour la première fois. Qu'il y a un dimon, qu'il y a 10 dimon. Alors à Dieu, merci Jésus. Qui te place, vin par devant. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Au vin par devant. N'importe qui s'en a qui vient pour la première fois. Lord Jesus, merci Seigneur. Amen. Qui te place, vin par devant. L'ampro de kosi capra da gati kamba da gati dide. L'isseke pro de koti kote piti di kalava de dikende. Hallelujah, lo pro de kote piti. L'isseke pro da gati piti dide. Est-ce qu'il y en a encore un qui kenna, hallelujah, qui ne vient pour la toute première fois? Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'il y en a encore un qui kenna, qui ne vient pour la toute première fois? Moi, je demande, mon chrétien, donne grand valeur à ce qui peut passer au milieu de nous. Quand on donne valeur, ce qui bon Dieu donne valeur, bon Dieu lui honore. On ne parle aucun signe d'impatience ou bien d'indifférence. Vous voyez? Non, non, non. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. On vous demande, Pasteur Gopol. Merci Jésus. Alléluia. Pour moi, les merveilleux, dans l'époque, quand la même autour des trois chrétiens absents, je suis un nouveau venu. Un chrétien peut nettoyer la case, puis balayer la cour, puis peinturer, puis on ne pas connaît quoi. Oui, oui. Amen, amen, amen. Je suis vraiment réjoui à moi, ce qui nous est un nouveau. Voilà, je te dis pour la première fois, je peux faire une expérience là. Bon Dieu pour venir dans la vie. Quand bon Dieu vient dans la vie, qui que ce soit sans eux. Nous avons disparaître, la lumière apparaît. Bon Dieu lui prend ou l'obstacle, ou le problème, il sent lui, il fait un miracle dans la vie. Mais acceptez-le avec tout l'équerre. Prends ou la main, mettez-le ou l'équerre comme ça. Mettez la main, l'autre l'équerre. Répète ça, la prière là avec moi. Ferme ou lisez de préférence pour capable plus concentrer. Dire Seigneur mon Dieu, je te répète Seigneur mon Dieu, toi qui crie la terre et le ciel, je n'envoie Jésus-Christ pour mourir la croix pour moi, pour pardonner mon péché, pour donner moi la vie de Dieu, et la vie qui jamais finit, et la vie supérieure, et la vie puissante. Je crois dans Jésus-Christ qui fit mourir pour moi, il retourne vivant pour lui transformer la vie. À terre la même. Ban noirté, ban ténèbre, je disparais. Aster la même, moi la vie sans est. Le Seigneur, lui donne-moi un nouveau l'équerre. Lui vient habiter au-dedans de moi. Jésus-Christ est mon Seigneur. Satan, me commande-toi, quitte-moi. Quitte mes pensées. Quitte-moi la vie. Me crois dans Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, remplis-moi du Saint-Esprit. Me recevoir la guérison si mon malade. Me recevoir la paix. Me recevoir le repos. Tranquillité. Merci mon Dieu. Me prendre ferme décision pour marcher avec toi tous les jours de la vie. Amen. Nous vous prions avec vous maintenant, en tout cas, on commence là-bas. Qui est malade pour vous? Malade. Qui gagne motivé? Mon genou fait mal. Quel est ton gain ça? 2 mois. Ok, t'as mis souvent. Le cavacisote est bien donc, le cavacisote. Mais il ne faut pas aller aucune distraction dans la salle. Jésus! Merci Seigneur. Ou genou qui tu peux faire mal là, tape en bas. Tape encore? Il y a encore peut faire mal? Non. Dieu ne guérit où? Amen. Valérie. Comment? Ah, mais il y a une grossesse dans le ventre.
Mets-toi la mélodie sur toi. Jésus, merci Seigneur pour ce miracle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi un petit coup. Si vous tapez au ventre, tu vous fais mal? Non. Même avec sa grosse là, si vous tapez lui, tu vous fais mal? Non. Pèse-lui maintenant, guettez par où il y a encore la même d'après vous? Je ne sens pas. Ou pas senti grosse là? Dieu ne fait un miracle pour vous. Merci. Qui s'en a malade là, s'il vous plaît? Qui t'a gagné mon garçon? Un bronze. Un touffement. Combien il est temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Dieu guérit toi là, tu vous connais, tu es guéri. Jésus! Je dis toi merci Seigneur pour cette guérison. Respire bien mon garçon. Est-ce qu'il y a un nouveau là, tu peux avouer le problème? Respire bien mon garçon. Moulay, il est totalement bien. Démon de l'asthme, mon commande-toi qu'il y ait ne jamais retourné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respirez, mon garçon. Comment te sent-il là? Mieux. Hein? Mieux. Oui. Seigneur, moi dis-toi merci pour ce miracle. Qui miracle au Piatan? Moi, tu l'as senti dans mon cas, mon mari, tu t'es malade. Première fois où venez? Qui vous demande? Non, moi ça va. Mon bonhomme qui te le merci Seigneur, mon louis-toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce miracle. Dans la vie de ce bonhomme. Amen. Amen. Et avec ce là-bas. Venez votre fille, qui miracle bien. Tranquillité dans mon case. Dans mes loups sauvant, toi. Bon, comment la paix dans ce l'équerre et cette paix lui débordait, lui dans ce la case aussi. Merci Jésus. Amen. Venez votre fille. Des études. Mais tu la mets au suivant, toi. Seigneur, mon loué-toi de ce qui tout et de l'île là, côté Libisin, l'aide. C'est toi qui donnes l'intelligence et la connaissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, notre Dieu. Merci, Jésus, amen. Alléluia. On appelle maintenant de tout qu'il est qui nous prie pour vous venir comme un enfant d'Abraham. C'est le droit pour recevoir de délivrance, de guérison. Mais d'être debout, devine par devant. Tous ceux qui habitent demandent dans la position des mains, devinez-moi donc. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Apporte ses enfants donc, et bien là-bas. Apporte ses enfants là-bas. Alléluia. Merci Jésus. Je te recevoir, je te délivrance parce qu'ils ont un enfant d'Abraham. Merci Seigneur. Il est enfant d'Abraham. Il a besoin d'être délivré. Il est enfant d'Abraham. Il a besoin d'être délivré. Il est enfant d'Abraham. Dieu bénit ton gosse. Seigneur, me louez-toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour la grâce toi accordée. Satan te demande. Il n'est pas appartenir à toi, il appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, te consoler, te réconforte. Te désarrêter, te remplir, te donner tout ce qui est besoin. Au niveau finance, au niveau la santé, au niveau ministère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il en soit ainsi. Fille d'Abraham, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Fille d'Abraham, sois béni, guéri, restauré dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fille d'Abraham, sois guéri dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le sauveur est toi. Merci Jésus. Bon, tournons comme ça, mon fils. Fille d'Abraham, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Fille d'Abraham, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Fille d'Abraham, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fils d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La sacre à la gadeque. La sacre à la gadeque.
Où tu habites, petite fille? Hein? Quelle église tu allais? Merci Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Zoro, tu fais de ses oreilles. Fils d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fille d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fille d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fils d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fille d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénédiction d'Abraham sur les corps, dans son âme, dans sa vie finance, dans sa vie sociale, dans tout ce qui concerne. Que la voix de la fille d'Abraham soit bénie. Merci Jésus. Fille d'Abraham, comment? Fille d'Abraham soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Santa Catabola. Fille d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Kende. Nous mettons debout, nous louons le Seigneur, quand nous soyons la volonté de Kende. La Saka Prada Gatiko, Tikoroba de Kende. Quand nous sommes la volonté de Kende. Fille d'Abraham, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous parlons en langue quelques instants, nous parlons en langue quelques instants. Nous parlons en langue quelques instants. La brodeguide. Fille d'Abraham. Merci Seigneur. Toute la grâce qui nous a, toute la force. Fille d'Abraham, sois bénie, enrichie, fortifiée. Car la brodeguide, bénédiction d'Abraham, bénédiction d'Abraham, bénédiction d'Abraham. Mademoiselle Mathurin. Fille d'Abraham, sois bénie, 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 bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le secours. Fille d'Abraham, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La saka brodiko de koro bagache de kadekati. La brodiko de kodiko de shena baradakati. La sada badakati. Fille d'Abraham, sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tout domaine, toute dimension, tout niveau. Et même Seigneur oh Dieu, un rattrapage, tout bon retard, sur n'importe quelle forme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous donnons notre rendez-vous donc, et bien, mercredi prochain, 9h30 pour ceux qui habitaient prier avant rayon, et 10h pour tout le monde. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.